Bonjour mes tuficelles, j'espère que vous allez bien. Moi très bien, très bien. Excusez-moi, je tousse. Je viens pour faire la pale de mois de mars. Vous l'aurez bientôt comme ça. Et du coup, on est parti. Je vais vous présenter trois livres que je suis obligée de les lire parce que c'est dans le défi avec Mariette, notre challenge. Voilà. Et il nous en reste trois à lire. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4. 4 livres que je mets de côté parce que je lis plus ou moins 4 livres par mois. Du coup, j'en ai mis 4. Je piocherai dans ceux-là et je vous tiendrai au courant en fin du mois. Dans le briefing du mois de décembre, je vais dire, de mois de mars. Ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. Et ce que j'ai pas lu, ben, on remettra au mois d'après, enfin mois d'après, mois de, quand je voudrais quoi, voilà. Mais c'est les 4 livres qui me donnent envie là maintenant, voilà. Du coup, on va commencer avec les 3 livres que je dois absolument lire. Undone and Chained chez Hugo dans la collection Nous Romans de Brittany C. Cherry, voilà, que j'ai déjà commencé, c'est ma lecture en cours, voilà. Je sais juste que vous n'avez pas trop de lumière, sauf que pour le moment j'ai mal aux yeux avec la lumière. Hop, ça sera peut-être un peu mieux, vous voyez peut-être mieux les couvertures aussi. Je sais juste qu'il va avoir un problème, enfin c'est des anciens amoureux si je comprends, de lycée. Voilà, moi j'ai pas vraiment lu, là j'ai lu 30 pages, voilà, je ne peux pas trop vous en dire, j'ai lu 30 pages. Je tiendrai au courant, mais voilà, il est dans le défi avec Mariette. Après, il y a, je sais plus parler, Destin troublé de chez Hugo dans la collection Nous Romans de Gjerva Lan. Et pourrait-il se pardonner des péchés qui le lient? Je ne sais pas plus non plus. Comme vous savez, je lis la quatrième de couverture quand je les achète et puis j'abandonne, je ne lis plus la quatrième de couverture parce que j'ai vraiment envie de me plonger dedans et le plus savoir ce qui se passe. Mais quand je le lirai, je tiendrai au courant. Ici, on va suivre Fayon, je sais pas comment ça se dit, Fave, un truc comme ça. Et voilà, dans sa petite ville tranquille. Bon, il y a un péché qui ont été commis, on verra bien. Celui-là, tout le monde le connaît et l'a déjà vu en film aussi peut-être. Les 365 jours de chez Hugo dans la collection Nous Romaines. Et c'est le tome 1. Il y en a 4 si je dis pas de conneries. Et c'est Blanca Lignaca. Je ne sais pas comment ça se dit. Je crois que c'est une russe. Si je ne me dis pas de conneries, elle est russe, elle. Voilà. Et voilà, il me reste ces 3-là à lire pour le défi de Mariette et on aura terminé. Voilà, ça c'est les obligations de lire. C'est les premiers que je lirai en premier. C'est ceux-là avant de piocher dans les autres. Du coup, voilà. Je vais vous présenter les 4 autres. Celui qui me donne aussi très envie, c'est celui Mac. Make me back. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est chez Hugo dans la collection Nous Romans. Et c'est Elve chez Veno. J'ai déjà lu des autres livres d'elle, je pense. Voilà, qui me donne très envie. Je l'avais trouvé à 3 euros, comme vous le voyez. Il me donne très envie. Celui qui n'y a pas longtemps qui est arrivé, c'est celui-ci. Drive, le tome 1 de Kay Brandberg chez Hugo dans la collection Nous Romans. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai entendu sur les réseaux, tout le monde en dit du bien, voilà, et du coup je me suis plongée. C'est un vieux qui est remis au goût du jour, du coup je ne les avais pas pris, moi je les prends, enfin maintenant j'essaie de plus les prendre en grand format, sauf quand je sais qu'ils ne sortent pas en grand format, à ce moment-là je ne les prends en grand format, mais si, comme chez Go, ils sortent un an après, maintenant plus ou moins un an et demi après le grand format. Du coup, j'attends un an et demi avant de les lire. Et voilà. Et comme ici, ils sont sortis en poche. Du coup, je me le suis pris. Après, celui-là, je sais qu'il sort pas en petit format. Du coup, je me le suis quand même pris. Et c'est celui que je voulais absolument. Et c'est celui que j'ai très, très, très envie de lire là maintenant. Mais que je ne peux pas. Parce que voilà. C'est Cœur coupable de Elle Stavra.
Chez Nisha, il est trop beau, la couverture, elle est trop belle, j'adore cette couverture. Les couvertures de Nisha, parce qu'en plus même le derrière, trop beau, ces livres sont trop beaux. Voilà. Je trouve que les livres de Nisha sont de plus en plus... J'adore les couvertures, voilà. Le non plus, je sais qu'il y a... Il y a des spoilers, alerte, je pense, que j'ai entendu. Voilà, il faut faire attention, il y a plein de choses qui vont se passer. Il est assez dur, il paraît, à lire. Lui, vous savez quoi? J'ai tellement entendu de bons amis sur beaucoup de Bookstagram que je n'ai même pas lu la quatrième de couverture. Je ne sais pas si la quatrième de couverture ou le livre va me plaire complètement. Je me suis dit, tant pis, la couverture me plaît, les avis me plaisent. C'est juste un livre assez dur à lire. Je sais pas si je dois le lire maintenant parce que voilà, je suis pas dans un mood très bien pour lire ce livre. Voilà, il faut juste faire attention, il paraît. Voilà, je ne lirai pas la quatrième couverture. Je sais juste voir s'il y a. Mais il n'y a pas d'alerte dans. Il n'y a pas de. J'essaye de voir, mais. Il n'y a rien de spécial. Non. Voilà. Mais n'hésitez pas à les retrouver sur. Vous pouvez trouver déjà des résumés de ce bouquin. Voilà. Et un autre que qu'il faut que je retrouve dans ma palle. Je sais que je l'ai. Bah, il est là. Il faudra que je le sorte, que je le mette en vente. C'est Adoptive Love, le tome 1. Que j'ai eu dans la box du mois de décembre. Celui-ci est illustré, pas partout, mais quand même. Il y a des jolis dessins dedans. Et je l'avais mis dans la box parce que j'avais trop envie d'avoir celui-ci avec le dessin. Je vais chercher l'autre et je reviens. Je suis de retour, le v'là, l'autre. Voilà. Voilà les couvertures différentes, comme ça je vous montre. Celui-là, il n'est pas du tout illustré. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de dessin dans celui-là. Que celui-là, il y a des dessins. Bien sûr, il faut que je tombe pas. Vous voyez, là, les dessins. Il y en a pas partout, mais il y en a. Voilà, du coup, je pense que celui-là, je vais le mettre en vente. Voilà. Oh! Ou alors, je les garde tous les deux, comme ça j'ai un exemplaire des deux. Je ne sais pas, j'hésite quand même. Parce que là, il est noir et là, il est blanc. Et j'ai mon nez qui me chatouille. Je vais éternuer si je continue. Attendez, je reviens, je vais me moucher, ça sera mieux. Du coup, me revoilà. Ça fait du bien de me se moucher. Et cette toux aussi. Voilà, du coup, j'ai les deux. Mais je pense que je vais revendre celui-là. Je crois que je regarde si ils font la même page, les mêmes pages. 605. Oh oui, 650 quand même. Ah, il fait un peu moins celui-ci. Celui-ci fait un peu moins. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et c'est même... Ah non. Ah oui, il y a même un défaut sur la couverture. Il faudra que je fasse une photo. Je sais pas si je peux... Je vais essayer de vous montrer. Regardez, là, c'est marqué 18 ans. Vous voyez bien, j'espère. Attends, j'essaie de me retirer. Là, c'est marqué 18 ans. C'est celui qui est pas illustré. Et celui qui est illustré. Il est marqué 17 ans. Voilà. Ça, c'est marqué le même. Ouais, c'est pas presque écrit le même. Ouais, c'est marqué le même. Sauf là, je diffère. Du coup, je vais le garder et je vais faire une story après. Voilà. Voilà pour les livres que je voudrais. Bon, je vais en retirer un quand même. Je vais pas vous le montrer. Hop. Que je voudrais. Je pêcherai dedans si je finis les autres. Voilà. Un de ces quatre-là que je pêcherai. Voilà. Et alors, je suis contente parce que j'ai retrouvé un livre. Je vais vous le dire. Je le dirai au vlog. Mais voilà. Je crois que c'est au mois de décembre. C'est décembre ou novembre. J'avais presque fini ma palle. Et j'ai perdu un livre. Je sais pas si vous en souvenez. Mais je l'ai retrouvé. Et ton cœur. Et ton cœur qui bat, qui me donnait très très envie de Karen Pont. Je sais pas pourquoi l'intrigue me plaisait bien à ce moment-là.
Je l'ai retrouvé et là maintenant j'ai pas trop envie de lire. Je sais pas pourquoi, mais la couverture est très belle en plus. Mais je pense que je vais le mettre dans... Ici, j'ai pas le traîner à le mettre. Mais j'ai envie de faire moi de petits livres. J'en ai un autre qui me plairait bien à lire aussi, c'est des petits livres. Je crois que je vais faire un mois petit livre. Je ne sais pas. Au début c'était février, mais là, voilà. Si je pouvais faire. Ouais, je vais peut-être faire ça. Essayer d'en caser 2-3 petits livres à lire. Et comme ça, ce serait. Vous allez entendre les poubelles, je suis désolée. Du coup, je vais conclure ce vlog. Dites-moi dans les 4 là, lesquels que je dois lire en premier. Et voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!